Salut, comment ça va? Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre vivace de l'année 2021, la Nepata Cats Pajamas. C'est une vivace qui, je pense, devrait être dans tous les aménagements parce que cette vivace est très bien pour être isolée. Elle remplit très bien les espaces. Elle s'intègre avec presque toutes les couleurs inimaginables. C'est une plante incroyable et elle fleurit presque toute la saison. Cette Nepata est un peu plus petite. Elle pousse entre 30 et 35 cm de haut et jusqu'à 50 cm de large, mais les floraisons... Elles commencent au-dessus de la plante et elles descendent jusqu'au sol. Elles offrent une profusion de couleurs quand elles sont en fleurs. Et le calice qui tient les pétales ensemble a une couleur lavande, donc lorsqu'elles ne sont plus en fleurs, on dira encore qu'elles sont en fleurs. C'est magnifique! J'aime tailler un peu la mienne environ au centre de la tige dès qu'elles ont terminé leur floraison après la première ou seconde fois. Et cette année, nous avons eu 3 cycles, ce qui est incroyable pour une vivace. Elles sont rustiques en zone 3 à 8 et elles sont parmi les vivaces qui supportent un sol avec un pH élevé comme celui que nous avons ici dans l'est de l'Oregon. Donc, quand on trouve des vivaces ou une plante qui va tolérer un pH élevé, on lui met vite la main dessus. Ces plantes attirent tous les pollinisateurs. Elles sont toujours pleines d'abeilles que j'adore regarder. Elles attirent les papillons, vous verrez des colibris venir les voir. Elles sont résistantes aux serres et aux lapins. Cette plante n'a pas de défaut. Elle préfère être en plein soleil. En fait, elle tolère très bien la chaleur et la sécheresse une fois établie. J'ai la variété Cats Pajamas plantée à plusieurs endroits dans mon jardin et je trouve que c'est un excellent choix comme vivace de l'année 2021. Vous pouvez trouver le Nepata Cats Pajamas et les autres plantes Proven Winners dans votre jardinerie Botanix.